Today, 70% of the food produced globally comes from what is called peasant farming. They are fishing and herding communities, peasants, pastoralists, nomadic peoples, landless peasants, indigenous peoples, or rural workers. Thanks to them, we eat sustainable and quality food. It is generally opposed to what is called industrial farming, which only produces to make profit, with huge costs for society and the environment. Although growing numbers of people have been denouncing the appalling impact of that type of farming, public policies still favor the agro-industrial model at the expense of the agro-ecological model. As a consequence, peasants are systematically marginalized and discriminated against and are the first victims of hunger. Out of nearly 1 billion people suffering from hunger in the world, 80% live in rural areas. And the current existing instruments are not enough to protect them. Therefore, different actors have come together to draw a unique declaration on the rights of peasant women and men and other people working in rural areas. On the one hand, peasants, civil society, and Via Campesina, the largest international movement of peasants, they have been working since 2001 on the draft declaration. On the other hand, the United Nations, and therefore our governments. After the food crisis in 2008, the UN Human Rights Council mandated the advisory committee to make recommendations to better protect the rights of people working in rural areas. The committee's conclusion is crystal clear. They need a specific protection. Building largely on the declaration of Via Campesina, the committee proposes to adopt a declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas. It is this very declaration that is currently being negotiated. Los campesinos y las campesinas son las personas que alimentan nuestro mundo, que mantienen el medio ambiente funcionando bien. Y cada día en nuestro trabajo en FIAN observamos que son víctimas de violaciones, que son impactados por violaciones de sus derechos humanos, no solamente del derecho a la alimentación, pero también criminalizados de su derecho a la salud, de su derecho a un medio ambiente sano. Por ejemplo, un campesino sin tierra o un campesino sin semillas no es más un campesino. Y por esto necesitamos que esos derechos inherentes a los campesinos sean reconocidos a nivel internacional. Avec ce qu'on appelle le phénomène de la mondialisation, les paysans ont perdu tout contrôle sur le processus de, à la fois de production et de la commercialisation de leurs produits. Mais aussi, il y a des accaparements de terres maintenant, et monocultures, agrocarburants, etc., qui font que les paysans sont soumis à des grandes pressions et sont forcés à quitter les campagnes. Wir steuern mit der momentanen Agrarpolitik in die völlig falsche Richtung. Wir brauchen eine sozial gerechte Landwirtschaft. Wir brauchen sehr, sehr viele kleine Betriebe, die nachhaltig produzieren. Und das ist in der Ernährungssouveränität alles festgeschrieben. Und es geht wirklich darum, diese Forderungen heute, jetzt, sofort umzusetzen, um zu verhindern, dass noch größere ökologische und soziale Schäden entstehen. On a des problèmes de différents types, que ce soit d'abord un droit à la santé, à l'environnement sain, qui est souvent bafoué tant au nord qu'au sud avec l'exposition à des pesticides. Un autre sujet important, c'est les semences et le droit à développer et à faire circuler des semences qui soient adaptées et qu'on ait développé soi-même, hein, qui ne soient pas standardisées. Les cadres légaux existants, fort basés sur le schéma des variétés homogènes, ça ne fonctionne pas du tout pour nous. Et les semences dont on a besoin ne rentrent pas dans ces critères-là et sont un peu hors cadre légal. Ce qui fait que si on prend l'initiative soi-même de développer ces semences et de les faire circuler, de les échanger, on se met très vite dans l'illégalité. Un dernier problème qu'on vit tant au nord qu'au sud, c'est l'accès à la terre, même s'il est vécu de différentes façons. Ou chez nous, au nord, c'est le prix de vente des terres qui a explosé ces dernières années à cause de différents facteurs, que ce soit des pratiques d'exploitation des terres qui soient très intensives et peu durables, qui permettent de dégager des gros profits à court terme. Ça a contribué à faire augmenter les prix, mais aussi le fait que
pour beaucoup de financiers, la terre devient un placement sûr à long terme. Et donc des facteurs qui font que le prix des terres aujourd'hui est totalement déconnecté du revenu qu'on puisse en tirer. Y nosotros pensamos que tenemos que proteger al pequeño campesinado, tenemos que proteger esta producción de pequeña escala, diversificada, orientada al mercado local y necesitamos un marco de protección para nosotras, campesinas de Europa, para todas las campesinas y campesinos alrededor del mundo. En particular, yo soy una campesina, soy mujer y veo que muchas veces la pobreza tiene rostro de mujer campesina. Die Deklaration bringt diese ganzen Forderungen, diese ganzen Probleme unter einen Hut und setzt einfach ein starkes Zeichen dafür, dass wir uns solidarisieren, dass wir uns da bemühen, in unseren eigenen Ländern, auf unseren eigenen Märkten verantwortungsvolle Politiken umzusetzen und vertrauen darauf, dass diese Politiken sich im globalen Süden genauso positiv auswirken wie bei uns. Much more than a symbolic text, the declaration will be a concrete tool to stop violations against rural communities. All United Nations bodies will have to refer to it, and states will be accountable on how they implement it. It will also be a source of inspiration for national legislation and possibly be enshrined in national constitutions. Aujourd'hui, le Conseil des droits de l'homme a lancé un processus de négociation autour de cette déclaration. Et ce processus rencontre des résistances, notamment parce que un certain nombre de gouvernements se demandent s'il y a bien une identité paysanne suffisante qui justifie qu'on s'intéresse à eux. Ma réponse, c'est que la discrimination, les violations des droits de l'homme que les paysans, paysannes et les personnes travaillant dans les zones rurales subissent sont une réalité. Et je crois que par conséquent, il est important aujourd'hui de donner davantage de visibilité à cette question par cette déclaration qui serait un outil extrêmement important pour tous les mécanismes des droits de l'homme qui existent. En este momento estamos en un sitio, unas negociaciones en el que llevamos dos años de grupos de trabajo. Tenemos de alguna manera que abrir este proceso a que una mayor cantidad de la sociedad civil sepa de qué se trata. Necesitamos visibilizar. Esta declaración lo que hace es visibilizar. On peut dire qu'il y a trois catégories de gouvernements. Il y a des gouvernements qui soutiennent entièrement cette déclaration, il y a d'autres qui sont contre cette déclaration, il y a d'autres qui sont encore neutres, qui n'ont pas encore une vision claire. Il s'agit de voir avec ces gouvernements qui n'ont pas encore une vision claire de la déclaration, comment les expliquer, comment les convaincre pour qu'ils puissent avoir une idée claire, les informer de la situation, de pouvoir être avec nous. L'autre combat, c'est avec les gouvernements qui sont contre aussi. On est en train de faire un travail avec la société civile de ces pays pour qu'ils puissent vraiment nous aider à mieux comprendre que c'est une loi qui n'est pas contre les autres, mais c'est une loi tout simplement pour renforcer la paysannerie afin d'atteindre la souveraineté alimentaire des peuples. Aujourd'hui, le monde paysan se meurt de manière silencieuse dans la plupart des cas. Mais s'ils disparaissent, on n'aura simplement plus de quoi avoir accès correctement à une nourriture et de pouvoir, nous, citoyens, avoir encore moyen d'agir et sur qui produit, de quelle manière, et donc d'avoir une possibilité d'action encore sur cette question-là. Et que, surtout, se den cuenta en Europe que nous ne sommes pas parlant d'une brecha norte-sur, mais que les problèmes qui ont toujours été associés au sur global, Asia, Afrique, Amérique latine, en cuanto a imposibilidad y a precariedad de campesinas y campesinos, también están en Europa. Cette déclaration, c'est une opportunité unique de pouvoir mettre sur papier et de pouvoir officialiser, de faire reconnaître par tout le monde ces multiples droits à l'autonomie, à la liberté d'initiative, à la liberté d'action des paysans. Si l'humanité a subsisté jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à cette débrouillardise et à cette capacité d'invention des agriculteurs. Les paysans, les paysannes sont les gardiens de la biodiversité, sont les gardiens des territoires ruraux, permettent de développer des alternatives à l'agriculture industrielle à grande échelle dont on connaît aujourd'hui les coûts considérables pour la collectivité et par conséquent ce combat des paysans, paysannes, des personnes travaillant dans les zones rurales pour la préservation de leur mode de vie et de leur capacité à continuer à produire est un combat qui, au fond, doit nous concerner tous. Et je crois que l'opinion publique est aujourd'hui de plus en plus mobilisée. Les attentes des ONG
comme des mouvements sociaux se font de plus en plus fortes et les gouvernements, à terme, vont devoir entendre cet appel. Je crois que ce qui est important de dire et de redire, c'est que on ne s'oppose pas au commerce. Le commerce existe. Ce qu'on veut, c'est que d'abord le droit de se nourrir, nourrir sa famille, nourrir sa communauté, soit d'abord respecté. Et que ça, c'est un droit fondamental. Donc d'abord, on respecte l'alimentation, le droit à l'alimentation, ceux qui la produisent, et puis on commerce, normal.